êtes bien Madame Troncy? Oui. Vous êtes qui? Madame Stern, assistante sociale. Vous laissez votre enfant seul dans cette situation? Vous la mettez en danger? J'ai juste sorti 2 minutes. Il n'y avait plus rien à manger pour Ambre. Je fais jamais ça d'habitude. Je suis obligée de faire un signalement. On pourrait vous retirer la garde pour maltraitance. Madame Audrey Troncy? Sois sage, ma chérie. J'en ai pour un instant. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me la surveiller 2 minutes, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Je note que vous n'êtes pas venue au précédent rendez-vous, madame. J'avais personne pour garder ma fille. J'ai essayé d'appeler... Très bien, mais vous avez refusé 3 offres d'emploi que nous vous proposions. C'est d'ailleurs pour ça que le versement a été arrêté. À présent, vous n'êtes plus une priorité pour nos services. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Maintenant? Eh bien, on va vous donner un nouveau dossier, afin de pouvoir vous réinscrire. Non, non, vous comprenez pas. J'ai un enfant à charge. J'y arrive plus. Dans ce cas, pourquoi avoir refusé nos offres? Vous n'êtes d'ailleurs pas la seule femme au chômage qui plus est avec un enfant à charge. Mais j'avais pas le choix. Ma fille est autiste. Il fallait que je reste avec elle. Écoutez, on va remplir un dossier. Et d'ici quelques mois, vous serez à nouveau éligible pour de nouvelles offres. Mais je peux pas attendre! Je regrette, il n'y a rien que je puisse faire. Il fallait y penser avant. Excusez-moi. Je suis là, ma chérie. Monsieur Hugo? Bonjour. Madame, je vais devoir vous demander de partir. Il y a des personnes qui attendent et qui ont aussi rendez-vous. Mais on n'avait pas terminé? Une autre fois, madame. Je dois passer à la personne suivante. Bonne journée. Votre loge est ici, avec tous les produits d'entretien. Tous les 2 jours, ménage, repassage et mon repas du soir. Vous pourrez vous en faire et l'emporter. C'est parfait. Merci. Ça vous dérange vraiment pas qu'elle reste? J'ai pas d'autre choix pour le moment. Non, je vous ai dit. Parfois, elle peut crier. C'est impressionnant, mais... Il n'y a personne ici. Elle peut rester dans le salon. Ah, excusez-moi. Allez, c'est pas... Allô? Madame Troncy, bonsoir, c'est Catherine Faure du centre de gare autisme Seine-et-Marne. Pardon, j'appelle tard, mais vous n'étiez pas là. Oui, j'étais au travail, excusez-moi. Vous n'avez toujours pas réglé les frais d'inscription de votre fille dans notre établissement. Ça fait plus d'un mois qu'on a
Mais on avait convenu qu'on négociait. Vous avez déjà dépassé le délai. On a une liste d'attente importante. Si vous ne payez pas la compte, l'inscription de votre fille ne sera pas prise en compte. Mais j'ai trouvé un travail que depuis 2 mois. Ça ne change rien au règlement, madame. Je veux bien attendre jusqu'à lundi prochain. Et après... De quoi tu me parles? On n'a jamais convenu de ce week-end. J'ai du travail, je parle d'un gamin sur les bras. Bon, écoute, c'est pas le moment, tu me rappelles plus tard. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous? Vous êtes satisfait de mon travail? Oui, je n'ai rien à dire. La maison est propre, le linge impeccable, je mange bien. Pourquoi je n'ai pas l'air satisfait? Oui. J'aurais besoin d'une avance. Ah. Je ne vous paye pas assez bien. Si, si. Mais c'est juste une avance. J'ai mis de côté les 2 premiers mois et j'ai un imprévu, juste pour ce mois-ci. Mmh. Combien? 300 euros. C'est plus qu'une avance. Mais je peux faire 2 heures en plus si vous voulez. Mmh. Bon, on en reparle plus tard. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Non, je l'ai envoyé la semaine dernière. Je sais plus quel jour, regarde. Et Ambre, ça se passe bien au centre? Oui, et c'est bien adapté. Je vais la chercher tous les soirs après le travail. Je pense qu'on va pouvoir espacer nos visites. Tout va bien, madame? Tout va bien. Tout va très bien.